bienvenue et surtout ravi de savoir que vous êtes très nombreux à l'attente de ce nouveau numéro de l'Étendard du Midi pour examiner les paroles de la prophétie avec le Dr King Fortuné que voici. Et à ma gauche, nous avons une collègue tout de même que certains connaissent bien sûr. Une demi-heure de silence, c'est notre sœur Meda Gungu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous revenons, nous avons en toile de fond Genèse chapitre 9, à partir des versets 18. Genèse 10 également, à partir des versets 32. Enfin, c'est en toile de fond, vous gardez cela à l'esprit. Ce verset traite de la nudité de Noé et de la malédiction de Cam. Canaan, pardon. Pourquoi parler de la malédiction de Canaan et de la nudité de Noé? Bien entendu, parce que souvenez-vous qu'au tout dernier numéro, sur ce même plateau, nous avons parlé de l'Afrique. Et ce soir, il sera toujours question de l'Afrique, mais surtout de la malédiction qui pèse, entre guillemets, mettant cette malédiction entre guillemets, parce que souvenez-vous que le Dr King a réfuté l'hypothèse selon laquelle l'Afrique est maudite et que la couleur noire de la peau des Africains serait juste une conséquence de cette malédiction. C'est pour cela que nous revenons, chers téléspectateurs, avant de passer de plein, avant de traiter réellement de cette malédiction, docteur, faisons un détour comme toujours hein, sur la toile. Allez-y, jetez un coup d'œil sur la toile, notamment sur les réseaux sociaux, parce que les publications ont fait couler de l'encre. C'est sûr que vous avez vu. Vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, j'ai vu tout ce qui se passe. D'accord, ça a créé une sorte de tollé, une sorte d'animosité pour certains. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a lieu de dire quelque chose rapidement? Et nous allons passer à ce qui concerne au sujet de la malédiction proprement dite de l'Afrique. Ben, on ne peut pas se lancer dans ce genre de travail sans s'attendre à des réactions de toutes sortes, surtout dans le milieu du message où on a plus des boudeurs. D'accord. Ce qui m'a surpris, c'est de voir aussi des gens que je n'ai jamais connus dans la chair, mais qui étaient là en train de riposter, de donner des réponses et de soutenir la cause que nous sommes en train, bien sûr, de soutenir. Et ça, ça me réjouit. Non, non, excusez-moi, moi je pense qu'il y a, ils n'ont pas soutenu, ils ont plutôt manifesté leur opposition par rapport à ce que... Non, il n'y a pas seulement l'opposition, c'est quelques personnes qui viennent juste pour montrer leur mécontentement ou leur désaccord. Mais quand j'analyse les faits, il y a plus des gens qui sont dans l'attente. Et c'est ce qui me réjouit. J'ai même vu des gens réagir avec des propos du genre « Qu'est-ce que vous venez faire sur ce forum ?» Parce qu'il y a même des gens que le diable ne connaît pas, mais qui font son travail. Il est même surpris de vous voir faire ce travail-là. Et je crois que, comme au temps d'Élie pensait qu'il était seul, mais l'Éternel lui a dit que je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ça m'a énormément réjoui de voir des gens venant un peu m'appuyer dans cette direction et brandissant citation après citation, parce que d'autres viennent pour montrer leur opposition du fait que nous fassions les émissions. Et j'ai vu des gens réagir si positivement parce qu'ils sont dans les attentes, ils veulent apprendre sur les thèmes que nous sommes en train de proposer sur cette plateforme. D'accord. Outre ceux qui veulent apprendre, mais ceux qui, par contre, pensent que ce n'est même pas le moment, parce que j'ai vu, il y en a qui ont dit que le réveil a commencé, le réveil du midi a commencé il y a belle lurette, donc ce n'est même pas le moment de commencer, ce n'est même pas peut-être le moment d'en parler, parce que c'est comme de l'histoire. À ceux-là, vous dites quoi? Pour vous, les bienvenus ou pas? Non, mais comment le réveil? Parce que le réveil, c'est nous avions lu la vision sur le compte rendu ou le rapport de l'Afrique, du voyage de l'Afrique du Sud, où
Après le premier voyage, Frère Branham est tombé malade. Et après, il a cherché la volonté du Seigneur. Et le Seigneur lui a montré que son avenir, par une vision, qu'il devait revenir en Afrique et aussi en Inde, parce qu'il devait tenir des grandes réunions de réveil. Et nous avions chevauché autour de cette vision. Mais dans cette vision, nous avons vu que William Branham était au nord. Et la vision s'accomplissait au sud. Et il regardait, il voyait des gens, il pensait que c'était des blancs. Après, il a vu, c'était cette race noire qui se levait avec des mains levées et louant le Seigneur. Et après, derrière, il a entendu quelque chose qui a démarré, faisant un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. Donc cette dynamo-là, ce n'est pas William Branham, s'il vous plaît. William Branham est au nord. Or, s'il était à l'ouest, c'est qu'il était encore vivant. Mais quand il est au nord, toutes les fois que vous voyez un prophète au nord, c'est qu'il a quitté la position en tant qu'étoile, il est rentré dans la position en tant que l'homme. D'accord, bon, là c'est juste une brèche, mais nous n'allons pas nous éloigner de notre sujet. En tout cas, vous pouvez intervenir quand vous voulez. C'est vrai que... ici, ce n'est pas une demi-heure de silence, mais l'étendard du midi traite également des paroles de la prophétie. Donc, soyez libres comme à une demi-heure de silence. Docteur, nous avons un point très saillant que d'ailleurs, mon collègue qui malheureusement est absent aujourd'hui, c'est lui qui avait soulevé toutes ces questions la fois dernière au sujet, les questions portant sur la malédiction de l'Afrique. Tout le monde sait que l'Afrique est maudite, tout le monde sait que l'Afrique est mal partie, tout le monde sait que lorsqu'on parle de l'Afrique, alors c'est une sorte de zone sombre, et vous dites que ce n'est vraiment, c'est très loin de la réalité, vous dites même que c'est une machination, si je peux reprendre vos expressions, une machination des Occidentaux, et sous la houlette même de l'UNESCO, et que l'INRAP a même calqué cette machination. Et sur le plan scolaire, c'est ce qui a été répondu, et c'est ce qui continue d'être répondu jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a assez d'arguments pour défendre ce genre d'opinion? Parce que vous allez même à l'encontre de ce qui est enseigné à l'école. Ben, je n'ai pas foi aux yeux de m'y opposer sur... les enseignements dispensés, parce que je crois que c'était dans notre temps, à l'âge de 15 ans, j'étais en classe de 5e. C'est à partir de là que j'ai eu cette réaction, parce que notre professeur d'histoire, dans les leçons, nous a fait savoir que l'Afrique était maudite par la malédiction de Cam. Et j'ai eu un vif débat avec lui, déjà en classe de 5e, parce que je ne pouvais pas cautionner que, selon la Bible, que l'Afrique soit maudite. Voyez. Donc c'est un plan bien échafaudé, bien monté, et même jusqu'à aujourd'hui, l'INRAP continue à véhiculer ce genre des enseignements, bien sûr, mensongers. Je vais rappeler aux téléspectateurs que l'INRAP, ici, c'est l'institution qui s'occupe de l'organisation pédagogique de notre pays. Donc, pour essayer d'abord d'identifier l'origine de cette machination. Et j'ai vérifié dans la Bible, le préjugé de la couleur attachée à la malédiction de Cam va naître tardivement de l'exégèse d'un père de l'Église, c'est-à-dire qu'on appelle Origène. Il a vécu de 182 jusqu'en 2000, en 254. C'est le premier à postuler que Cam devait être de la couleur noire. Mais jusqu'dans les années, l'an 1000 de notre ère, les gens n'avaient pas assez d'intérêt sur cette thèse-là. Et ce sont les musulmans qui ont essayé de faire vibrer ça pour la première fois en essayant de légitimer leur commerce ou leur commerce d'esclaves noirs. Et plus tard, les Occidentaux ou les Européens ont continué avec 7 siècles plus tard. Ils ont chevauché là-dessus pour affirmer que, puisque Cam est noir et que la malédiction de Noé est tombée sur les Noirs, ou les Africains bien sûr, par conséquent, puisqu'il a été dit qu'ils seront esclaves, des esclaves de leurs frères, et voilà comment...
la traite négrière a été bien sûr bien organisée, bien légitimée au nom de la religion. Et aucun théologien en ce temps-là, même l'Église catholique, a été cloué, ils sont restés silencieux au nom de la Bible. Voilà pourquoi ce qu'ils ont fait, ça n'avait pas de fondement biblique, mais c'était une mauvaise interprétation pour justifier leur intention de faire le commerce des Noirs. Voilà pourquoi je refute que l'Afrique n'a jamais été maudite par Noé. Bon, mais jusque-là, vous êtes dans l'histoire, vous aussi. Vous n'avez encore rien dit au sujet de la Bible, au sujet du prophète. Je crois que il est important que nous puissions premièrement repartir dans les Saintes Écritures, dans Genèse 9, le verset 24 jusqu'au verset 27, que dit la Bible ici. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, voyez-vous d'accord, qui est Canaan ici? C'est cela le problème, parce que lorsque nous repartons dans la tablette ethnologique de la littérature antique, il est nécessaire que nous puissions d'abord comprendre l'arbre généalogique de Noé. Et je vais prendre cela ici, dans Genèse 10, le verset 1er. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsi, Kittim et Dedanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon leur langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ça, c'est Japhet. Deuxièmement, on parle de la postérité de Cam. Les fils de Cam furent Cush, Mitraïm, Put et Canaan. Voyez-vous que je vais faire référence au tableau ici. Nous avons la Cam. Dans cette dispensation, de cette disposition, il y a Cam, et vous regardez bien, Cam, sa plus grande partie est occupée en Afrique et une partie vers le Yémen ou l'Arabie du Sud. Voilà la part d'héritage de Cam. Et de l'autre côté, vers le golfe Persique, nous avons Sem. Et vers la mer Noire là-bas, il y a Japhet. Donc, lorsqu'on parle de Cam, c'est l'enceinte des peuples africains. Et lorsqu'on parle de Japhet, c'est pratiquement, nous l'avons essayé de développer lorsque nous avons traité les 40 jours prophétiques pour le repentir de Ninive. Il s'agit ici de l'Eurasie, une partie de l'Asie mineure et une autre partie de l'Europe, ce qu'on appelle les Occidentaux. Et l'autre partie, c'est les Sémites. Bien sûr, au travers des Sémites, Dieu a visité Abraham, et par Abraham est sortie la lignée sacrée qui est Israël. Donc, nous avons, puisque nous devons traiter la malédiction pour cette tranche d'émission, il ne serait pas plus primordial que nous puissions traiter de Japhet ni de Sem,
Ici, nous devons focaliser notre attention sur Cam. Parce que, soi-disant, que la malédiction est tombée sur Cam et l'Afrique est maudite. Mais la Bible précise ici que lorsque Noé sort, se réveille de son vin, il prononce la malédiction. Il dit, maudit soit Canaan. Et Canaan est bien identifié comme étant la Palestine. Je crois que pour ceux-là qui suivent, c'est très précis. Canaan, c'est bien sûr la Palestine. Donc, la terre qui est maudite, c'est la terre de la Palestine. Pas proprement la terre, mais c'est l'enceinte, bien sûr. Donc, Canaan, qui est le quatrième fils de Noé, c'est celui-là qui est maudit. Et il est d'abord dit que, parce que cette malédiction a trois volets. Le premier volet, c'est qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, Canaan sera l'esclave de Sem, de Cush, il sera l'esclave de Mitzraïm, il sera l'esclave de Pout. Le deuxième niveau de la malédiction, c'est que Dieu bénit, il dit que béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, Canaan, deuxième niveau de la malédiction, il devient l'esclave de Sem. Troisième niveau, puisque Japheth, ça veut dire étendu. Donc, Noé prononce une bénédiction par rapport à son nom. Il dit que l'Éternel étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Donc, ici, ça veut montrer qu'entre Japheth et Sem, il y aura une alliance afin de dominer le peuple de Canaan. Donc, voyez-vous que c'est bel et bien Canaan ici qui est tombé sous la malédiction. Et Canaan, ce sont les Cananéens. Et ces Cananéens-là, c'était les premiers habitants ou les autochtones qui habitaient le pays de Canaan. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle Abraham pour lui dire que sors de ta patrie, de la maison de ton père et de ton pays et va dans un autre pays auquel je te montrerai. Et quand il arrive dans la terre de Canaan, l'Éternel, lui, est apparu. Il dit que cette terre-là, je la donnerai à toi et à ta postérité après toi. Cette terre-là que Dieu montre à Abraham, c'est bien sûr la terre de Canaan que nous appelons bien sûr la terre promise. Mais il y avait déjà des habitants qui étaient dans ce pays-là, les Cananéens. Et donc la malédiction qui est prononcée par Noé, elle n'est pas suspendue sur l'Afrique, elle est suspendue sur les Cananéens, bien sûr. Donc, s'il faut faire un tour très rapidement, nous retenons avec les téléspectateurs que Noé, après s'être enivré, s'est retrouvé nu et son fils Canaan, Cam. Cam, pardon, a découvert, a vu la nudité de son père. Au lieu d'être maudit, donc Noé n'a pas pu maudire son fils et Il a maudit il son a petit-fils. finalement maudit son petit-fils, ce qui n'est pas normal. Ben, il ne pouvait pas maudire son fils déjà, Cam. Ailleurs, je crois qu'il y a un Vous dites qu'il ne tableau. pouvait pas. Comment est-ce qu'il pouvait parler que c'est son propre fils qui a découvert la Mais nuit, sa nudité? à la sortie du déluge, Dieu avait conclu une alliance avec Noé et avec ses trois fils. D'accord. Donc, ce fils était déjà protégé par l'alliance, qui est bien sûr la troisième alliance, parce que c'est pour la seconde fois qu'il a été dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, Noé devait repeupler la terre. Et dans le repeuplement de la terre, il y a ses trois fils qui sont inclus. Et donc, Cam faisait partie de cette alliance-là. Et ce n'est pas pour la première fois que ça arrive. Et si nous voulons comprendre la raison pour laquelle Noé n'a pas maudit son fils et qu'il a maudit son petit-fils, vous verrez cela dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 11. Ici, il s'agit de Salomon, lorsque Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu, l'Éternel, a prononcé une sentence disant que Israël, qui était constitué des 12 tribus sur lesquelles Salomon régnait, devait être séparé et que Dieu devait donner 10 tribus aux serviteurs de Salomon, qui était bien sûr Jéroboam, et qu'il laisserait 2 tribus à Salomon. Et l'Éternel dit que je ne le ferai pas du vivant de Salomon à cause de David. Donc voyez-vous que la sentence que l'Éternel prononce sur Salomon ne s'accomplit pas du vivant de Salomon. Il dit qu'il le fera
règne de son fils. Et je crois que je peux lire si. Alors, avant de lire, nous avons, j'ai ma collègue qui, je pense que, doit rentrer. Hein, dans le bain. Parce que depuis là, on nous observe. Oui, vous pouvez. Au fait, docteur, je voudrais comprendre. Comment se fait-il que la terre de Canaan a été maudite par Noé et cette terre, après des années, redonne cette terre en héritage à Abraham? Je ne comprends pas. Cette question, docteur, la réponse, certes, est attendue, mais ça sera pour la seconde partie de cette émission, pendant que nous allons marquer une pause et nous revenons, nous commencerons par là. A tout de suite, chers téléspectateurs. De l'étendard du midi, oh, on est habitué à une demi-heure de silence. Oui, l'habitude, dit-on souvent, est une seconde nature. Mais là, c'est l'étendard du midi. Nous avons amorcé une question, et c'est celle de ma collègue qui voulait savoir, ou qui a soulevé, qui a dit que le Dieu a donné à Abraham, son serviteur, une terre finalement maudite. Et est-ce qu'il y a... qu'en dites-vous? C'est normal. Ce n'est pas la terre qui est maudite, mais ce sont les habitants. Parce que la terre de Canaan est une terre bénie. Et maintenant, dans la malédiction de Noé, ce n'est pas simplement une simple malédiction, mais c'est une prophétie qui avait déjà décelé... Le conflit entre la lignée de Sem et celle de Canaan. Et donc, les Cananéens avaient reçu le privilège d'occuper cette zone tampon, cette zone bénie, bien sûr, mais ils ont souillé le pays à cause de leurs abominations. Donc, au travers du péché de Canaan, de Cam plutôt, Noé, qui est prophète, avait déjà vu la mauvaise nature qui devait se perpétrer sur son fils Canaan. Et vous verrez que quand nous rentrerons dans les études approfondies, et vous verrez que les Cananéens étaient de nature à être versés pleinement dans l'idolâtrie. Et quel genre d'idolâtrie? C'était l'idolâtrie la plus corrompue, parce que les données archéologiques montrent que il n'y a pas une nation comme les nations cananéennes qui était plongée dans le culte des déesses de la fertilité et aussi comme Astarté et les autres avec des orgies et aussi le culte du serpent était pleinement en vogue parmi les Cananéens. Donc voyons cette nature qui est accro à ce genre de pratiques qui sont en contradiction avec les principes ou les lois de l'Éternel, voilà comment Dieu, par Noé, avait déjà perçu cela. Et quand il prononce la malédiction, cette malédiction était comme une feuille de route pour amener l'extermination de cette lignée-là. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle Abraham à quitter la Mésopotamie pour aller vers... cette terre-là. Docteur, d'où vous viennent toutes ces... Est-ce que ce sont des conclusions personnelles, des inventions ou... Non, le prophète nous a dit qu'un croyant est celui, un chrétien bien sûr, celui qui lit sa Bible nuit et jour. J'ai un verset ici dans
Genèse 13, le verset 10, la Bible dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voyez-vous que la terre de Canaan est en comparaison avec le jardin de l'Éternel. Le jardin de l'Éternel, vous êtes d'accord avec moi que c'est le jardin d'Éden. Donc cette terre de Canaan est en comparaison avec le jardin d'Éden, d'une part, et d'autre part avec le pays de l'Égypte. Voyez-vous, ça c'est des données bibliques. Ce qui est difficile ou malheureux aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire la Bible. Et Fobanam va appuyer cette hypothèse-là ici, dans l'Éden de Satan, au paragraphe 41. Fobanam dit ici que Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden, virgule, en Égypte. C'est à l'extrémité du jardin que se trouvait le quartier général. Donc le quartier général de l'Éden se trouvait en Égypte. Donc quand l'Éternel commence à comparer le pays de Canaan, il le compare avec le jardin d'Éden et avec la terre d'Égypte. Donc voyez-vous que quand Dieu ou Noé prononce cette malédiction, il a vu le mal de loin. Parce qu'un prophète a la capacité de voir le futur au présent. D'accord. Le futur, il l'a vu dès le présent. Mais focalisons-nous maintenant, puisque les téléspectateurs sont d'accord. Ce n'est pas du forcing. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, comme on vous le dit souvent, en tout cas, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux sont là pour nous, pour stimuler, pour agrémenter le débat. Alors, du moins pour ceux qui sont d'accord, tout le monde sait déjà que Canaan, c'est la Palestine, donc les habitants de la Palestine. Mais ça, c'est réglé d'une part. Mais d'autre part, il y a une question qui reste en suspens, c'est-à-dire celle de la malédiction. Pourquoi est-ce que, d'où les causes, qu'est-ce qui a suscité cette malédiction? Est-ce que juste le fait d'avoir découvert la nudité et la malédiction va du côté de son petit-fils? Et qu'est-ce qui a motivé cette malédiction? Vous voyez que la Bible, que le langage de la Genèse est plus complexe que même le langage de l'Apocalypse. Bon, là, c'est selon vous parce que vous êtes enseignant. Non, William Branham m'a dit que Genèse, les semences, ou le livre des semences, et l'Apocalypse, c'est le livre de la maturation. Donc ce que, qui a été ensemencé dans la Genèse apparaît dans, finit par mûrir dans l'Apocalypse. Donc pour être un peu, puisque nous sommes derrière le temps ici, la Bible dit que Cam avait vu la nudité de son père. Or, j'ai démontré que le fait de voir ne veut tout simplement dire un simple coup de regard. Parce que vous verrez qu'il y a une prophétie ici dans, je crois, Lévitique 18, qui montre un peu la gravité du mot « voir ». Parce que tantôt, « voir » veut dire comprendre. Mais ici, dans ce cadre ici de la malédiction, voir n'a rien à voir avec comprendre. Mais Frère Branham explique que dans la semence du serpent, que cette semence-là avait transité par l'arche et s'est sortie de l'autre côté. Dans Lévitique 18, ici, les Saintes Écritures nous montrent comment Israël va se comporter vis-à-vis des Cananéens. Il dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte et que vous, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances.
L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, car c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc découvrir la nudité ne veut tout simplement dire voir la nudité. Ici, quand Dieu interdit à Israël de ne pas se comporter comme les Cananéens, et il montre ce que les Cananéens font, c'est que les Cananéens découvrent la nudité de leur père. Donc découvrir la nudité d'un père ne veut tout simplement dire voir. Voyez-vous? Puisque la Bible montre aussi que Ruben, ici dans... Ruben avait souillé la couche de son père. En souillant la couche de son père, ça ne veut pas dire que Ruben était allé, c'est pas dormir et tout ça, mais Ruben avait été sorti avec la femme de son père. Voilà pourquoi le péché de Cam est plus profond que vous ne le pensez. Alors là où vous voulez nous emmener, vous avez quelque chose à dire, parce que là où je commence à... J'ai bien peur que... Oui, bon, allez-y. Oui, je voudrais savoir, la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, vous venez de nous dire que c'est Cam qui avait regardé la nudité de son père. Mais pourquoi Noé n'avait-il pas maudit son fils Cam, mais a plutôt maudit son petit-fils? Ben, j'ai montré que dans les rois, Salomon a péché. En temps normal, la sentence devait tomber sur Salomon, où le royaume devait être séparé de son vivant, parce que c'est lui qui a péché. Mais l'Éternel, à cause de l'alliance qu'il a scellée avec le père de Salomon, c'est-à-dire David, et à cause aussi de l'action que Salomon avait faite de construire un temple, il n'a pas voulu que cette sentence tombe du vivant de Salomon, c'est tombé sur Roboam, qui est le fils de Salomon. Et vous verrez aussi que le roi Ézéchias, lorsqu'il avait ouvert les trésors aux ambassadeurs des Babyloniens, et Esaïe lui a parlé que ce que tu as fait, sache que le temps viendra où le roi de Babylone viendra et il prendra toutes les richesses que tes pères avant toi ont emmagasinées et on amènera tes eunuques en esclavage à Babylone. Et cette sentence-là, l'Éternel dit que ce ne tombera pas du vivant d'Ézéchias, mais sur leurs enfants. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont dans la Bible. Si on peut fouiller, on va les trouver. Je reviens ici sur l'action. Ça va toujours de pair. C'est que le prophète Noé a vu que parmi les enfants de Cam, il y a un qui a cette prédisposition-là. Voilà pourquoi, pour comprendre littéralement ou profondément cette malédiction-là, parce que Foi Banam montre que c'est par là que la sémence du serpent a transité. Et j'ai montré que selon la Bible, voir la nudité ne veut pas dire simplement regarder. Donc, c'est... Donc en fait, si je comprends, c'est que Cam est allé accoucher avec la femme de son père. Finalement. Jusqu'aujourd'hui, dans le débat des rabbins juifs, ils ne trouvent pas de solution. D'autres pensent qu'il y a eu un acte d'homosexualité, d'autres pensent qu'il y a eu l'inceste, d'autres pensent que Cam avait castré son père. D'accord. Donc, oublions ce que les rabbins pensent, disons ce que... les Écritures disent... Mais les Écritures, parce que vous avez lu Ségan, les traductions antérieures, l'expression « voir » qui est utilisée dans les anciennes traductions, ce n'est pas le « voir » de « voir ». Le mot qui est utilisé, c'est le même mot que Paul utilise dans le Nouveau Testament qui parle des relations sexuelles. Bon, mais puisqu'on est appelé à lire la Bible française, arrêtons-nous avec le mot « voir ». Mais j'ai montré ici que, si c'était simplement voir, voyez-vous, pourquoi Noé donne
assez de sentences et qui va se répercuter plus tard au travers du comportement de ces Cananéens-là. Et lorsque Abraham a reçu cette promesse, quand Josué vient pour venir conquérir le pays, appelé le pays promis, bien sûr, ou la terre de Canaan, la terre était déjà habitée. Et dans les Deutéronomes, le Seigneur fait savoir que le pays auquel tu iras, il y a déjà des plantations, il y a des maisons et tout. Donc, c'est un pays habité. Ils vont pour conquérir et ils vont chasser et exterminer ces nations qui sont bien sûr ces Cananéens pour les soumettre. Et ce conflit-là, jusqu'à aujourd'hui, demeure parce que, je crois que si on peut rentrer dans l'actualité, parce qu'après le rejet à la croix du Seigneur Jésus-Christ, la malédiction est tombée sur Israël. Israël a été dispersé pendant près de 19 siècles. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont repartis dans la terre de Canaan et qui était déjà aussi habitée à nouveau par le même peuple, c'est-à-dire qu'on appelle l'actuelle Palestine ou les Palestiniens. Et voyez-vous qu'avec la succession des implantations de la Cisjordanie, que le gouvernement israélien est en train d'appuyer, vous voyez que ça commence à créer un véritable problème, toujours au niveau des Nations Unies. L'UNESCO a pris des résolutions pour essayer ou pour chercher à dissocier Israël avec la terre promise. Et je crois que ça a été voté à l'unanimité. Et à cela, et pourquoi ils agissent ainsi? C'est parce que, comme toujours, c'est toujours ces mêmes institutions qui ont valorisé cette thèse que l'Afrique est maudite. Et là, ils ont encore commis une autre erreur pour dire qu'il n'y a pas de relation entre la terre de Canaan avec Israël. Alors que nous avons des preuves avec l'arc de triomphe que Titus a placé à Rome après la destruction du temple. Et pendant ce temps qu'ils sont en train de voter ces résolutions-là, il y a aussi eu le problème de la tablette d'Ozias, de Den Golan. Je crois que puisque les gens ne suivent pas l'information, ne lisent pas, ne font pas de recherche, tout ça, ça apparaît comme des tonnerres. Donc il y a eu un problème comme ça sur des reliques qui ont été découvertes en Israël, qu'on appelle la tablette de Josias, où Josias avait fait des réparations dans le temple. Et ce problème avait créé des remous, et jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de solution. Donc voyez-vous que ça persiste, et le Parlement ou le gouvernement israélien a évoqué l'idée selon laquelle que cette terre-là, ils ont été dans cette terre, et c'est après les deux guerres, bien sûr, grecques, judéo-romaine, qui a fait qu'Israël soit dispersé. Et voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, ils reviennent. Et de côté palestinien, ils sont en train d'évoquer une autre hypothèse, disant qu'avant que Israël ne puisse occuper cette terre-là, il y avait des occupations. Et eux, Israël, répliquent que c'est l'Éternel Dieu qui avait donné à leur père Abraham. Donc, vous voyez un peu le conflit israélo-palestinien remonte depuis la nuit de temps à cause de la malédiction, bien sûr, que Noé avait prononcée sur Canaan. Donc, je réfute haut et clair que ce n'est pas l'Afrique qui a été maudite, mais c'est bien sûr Canaan. Et Canaan, ce sont les Palestiniens qui sont maudits. D'accord. Ce sont les Palestiniens, finalement, parce que nous parlons aujourd'hui de la Palestine, qui ont hérité la malédiction de leur enceinte. Voilà. Alors, il y a. Je vais revenir un tout petit peu, avant de passer la parole à ma collègue, sur l'acte. L'acte, vous dites que c'est finalement l'acte sexuel qui a été perpétré par Cam, alors que les Saintes Écritures sont claires, que Noé s'est empiffré de boissons, de vin, et il était vraiment saoul. Bon, vous voyez que vous nous emmenez sur un terrain qui est très glissant. Non, je n'ai pas affirmé, mais j'ai juste tiré l'attention que la cause de la malédiction est plus étendue que nous le pensons. William Branham nous a parlé de la semence du serpent. Il nous parle de la semence du serpent, que le fruit, c'était la relation sexuelle.
Mais noir et blanc, ce sont les fruits. J'ai un autre verset biblique ici. Alors, dans Genèse 19, le verset 30, oui. Verset 38, il s'agit ici de Lot avec ses filles. La Bible dit que Lot quitta Tsoar après que Sodome et Gomorrhe soient brûlés pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles, parce que sa femme était décédée à cause, elle est devenue colonne de sel. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père, et cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Et la cadette a fait la même chose, et se laisse sortir les Moabites. Bien. Et aussi les Ammonites. Alors, je vais me retourner du côté de ma collègue. C'est vrai que le temps nous presse, mais sa question ne doit pas rester dans... Révérend, vous dites que l'Afrique n'est pas maudite. Mais pourquoi cette Afrique n'est pas prospère comme les autres continents? Voyez-vous que nous en parlerons plus profondément. Vous êtes en train de lier la malédiction à la réalité actuelle. Il y a ce qu'on appelle les chocs des civilisations. Il y a eu des civilisations antérieures. Et les premiers à être des dominants, c'est bien sûr... L'Égypte a été une nation très puissante. D'ailleurs, l'Égypte a même soumis les Hébreux en esclavage, ainsi que d'autres nations. Voyez-vous que c'était un royaume, c'était un empire très vaste. La Bible, en relation avec Abraham, la Bible dit qu'Abraham se réfugia dans la terre d'Égypte. Et là, il fut... Mais vous dites, je vais vous couper, vous dites que c'était, vous faites allusion à un temps très antérieur, très passé. L'Égypte était, mais aujourd'hui, la question qu'elle pose... Et c'est de l'actualité, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est toute maudite parce que, effectivement, cette malédiction, il nous semble qu'elle est en mouvement maintenant. Vous allez vous défendre, mais il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous revenons juste pour le temps de souffler. Vous allez certainement vous défendre pour terminer. Pour que nous revenions à une prochaine occasion et ça sera la suite. Donc, à tout de suite, chers téléspectateurs. C'est vous qui faites l'émission. Ne tardez pas sur les réseaux sociaux. Postez vos réactions et à très bientôt. Spectateurs, nous revenons pour le dernier virage et c'est le docteur qui avait normalement la parole. Question de nous dire, répondre à la question de sœur Meda, dire pourquoi est-ce que cette Afrique de souffrance, de guerre, de Moïse, de cette Afrique, cette malédiction est, quoi que l'on dise, cette malédiction est en marche apparemment. Non, ce n'est pas une malédiction parce qu'il y a... L'Afrique a régné avec l'Égypte antique. Et de l'Égypte antique, nous sommes
Il y a eu une succession. Après, il y a eu la Syrie. Après la Syrie, nous sommes passés à la Babylonie. Et après la Babylonie, il y a les Médo-Perses. Les Médo-Perses, il y a eu les Grecs. Les Grecs sont venus, les Romains, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, avec la civilisation actuelle, d'où ceux qui la chapeautent. Ce sont les Américains. Et quand vous irez en Grèce, vous verrez que la Grèce n'est pas aussi développée que la France. Alors que la civilisation actuelle, le savoir qu'on non, a aujourd'hui... Vous n'allez pas comparer la Grèce à l'Afrique, hein? Non, par rapport à la distance, voyez-vous, que la Grèce a régné, la Grèce a dominé et tout. Mais aujourd'hui, par rapport à la France... La Grèce est en régression. Il y a même des lacunes de comprendre, de reconnaître que ça a été quand même l'empire d'Alexandre le Grand. Donc, j'expliquais qu'il y a eu des chocs de civilisation. Donc une civilisation est puissante, après une autre, il y a eu destruction, il y a eu vol des cultures, ainsi d'intelligence. Et voilà pourquoi. Au regard du temps qui nous reste, un peu rapidement. Dites-nous quand même quelque chose sur ce que Branham a prévu. L'Afrique n'est pas du tout, selon William Branham, n'est pas du tout maudite. Et voyez-vous que cette conception-là a eu de l'impact sur le domaine culturel, sur le domaine économique, sur le domaine social et même spirituellement. Lorsqu'on inculque ce genre de pensées dans le peuple de Dieu, c'est ce qui amène qui font qu'aujourd'hui le leadership africain n'arrive pas à émerger. Et vous voyez, même dans le monde du message, il y a souvent la tendance que ça, ce sont vos positions en Afrique. Mais ici, en Amérique, c'est autre chose. Frère Branham n'a jamais dit que les Américains comprennent. Par contre, il dit que là où son message sera susceptible d'être accepté, c'est bel et bien en Amérique, donc en Afrique. Donc la compréhension n'est pas à l'ouest, la compréhension est au sud. Je lis ici, donc quand l'amour se lance, le paragraphe 44, Frère Branham dit, les Américains et les Canadiens sont les plus confus de toute la terre. C'est juste, les plus confus de toute la terre. Là où les missionnaires devaient aller le plus, ce n'est pas en Afrique. C'est sur le continent américain. C'est William Branham qui dit ici. Il va encore dans questions et réponses du 23 7e mois 1965 qu'il a intitulé « Dieu mal compris » au paragraphe 15. Écoutez cette citation pour que nous clôturons. « Bien des fois, les gens disent que certaines choses, ils me demandaient et j'allais devant le Seigneur pour attendre ses visions. Et j'attendais jusqu'à ce qu'elles viennent. Mais j'ai constaté que cela a placé une grosse pierre d'achoppement devant les gens. À vrai dire, les Américains ne sont pas prêts pour un tel ministère, entre parenthèses, les églises. C'est vrai, c'est au-delà de leur époque, vous voyez, et cela entraîne toutes sortes de choses. Certains vous traitent de démons, certains vous traitent de spirites, d'autres vous traitent de fils de Dieu et de tout le reste. Voyez-vous ? Alors j'ai simplement promis au Seigneur de laisser cela de côté et d'attendre pour utiliser ce ministère en Afrique ou lors d'entrevues personnelles lorsque j'en ai ici. Donc, voyez-vous que même le ministère de Frère Branham, c'est pour la moisson de l'Afrique. Aux États-Unis, là-bas, ça atteint juste des individus parce que dans cette saison-ci, eux, ils deviennent des chiens, comme la femme syrophénicienne qui avait dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Le Seigneur a dit que « Prendrai-je la nourriture des enfants pour la donner aux chiens ?» Voyez-vous, Frère Branham dit que pourquoi ça n'a pas marché chez elle alors que chez l'aveugle Bartimée, ça marchait, c'est parce que ce n'était pas sa dispensation. Donc William Branham est en train de montrer que son ministère à lui, c'est au-delà de l'époque des États-Unis, des Américains. William Branham est envoyé. J'ai d'autres citations que nous lirons dans la suite des temps pour le peuple africain. Donc, il n'y a pas une malédiction justificative.
pour condamner l'Afrique à être souffrant. Et aussi longtemps que vous gérez ce genre d'informations, ça sera difficile que vous puissiez vous émanciper sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social, parce qu'on a mis sur vous des couches de ténèbres qui pèsent sur votre compréhension. Et c'est ça le blocus. Et ça, c'est même entré dans le système éducatif. Et ça, aujourd'hui, nous sommes ici sur cette plateforme pour essayer un peu de redresser cela. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous avons compris de façon bibliquement peu détaillée que la malédiction de Noé n'est pas tombée sur l'Afrique, mais sur les Palestiniens. Et c'est cela même la cause du conflit israélo-palestinien, c'est clair. Chers téléspectateurs, la malédiction de Noé n'est pas tombée sur l'Afrique, mais plutôt sur la Palestine actuelle. Chers collègues, je crois que c'est ce que nous allons retenir. Mais nous attendons de vous certaines réactions. Le docteur King fait ses conclusions. Lui, il est docteur, il est enseignant. Et vous, vous avez certainement les vôtres. Et le rendez-vous est pris sur les réseaux sociaux comme toujours. Ça se termine ici maintenant, mais nous nous retrouvons tout de suite sur la toile. Docteur, le prochain numéro, vous avez une idée sur... Ben, je crois que nous allons continuer pour voir peut-être l'alliance de Noé et aussi les différentes tentes. Parce qu'il y a les tentes de Sem, il y a les tentes de Japhet et il y a les tentes de Cam. Je crois qu'avant d'avancer, il serait très important ou primordial que nous puissions étudier cette grande alliance qui est bien sûr négligée. D'accord. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons tout de suite comme promis pour... agrémenter notre débat, notre émission. Mais pour le prochain numéro, ça sera toujours avec le Dr King, avec le même plaisir. Je vais dire merci à l'assistance, qui est, vous qui êtes venu pour examiner les paroles de la prophétie de plus près. Ce sont de grands moments, parce que examiner de cette façon les paroles de la prophétie, ce n'est vraiment pas du quotidien. Et nous vous remercions vivement d'avoir de votre disponibilité et surtout de votre contribution à cette grande communion fraternelle. Merci. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Courons-nous à la rivière, sortons du trône de Dieu et rassemblés sur la rive où les anges ont marché. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Cette rivière